Coton. Oui. Et on se retrouve pour le troisième match. Est-ce que le son est bien ou pas? Et on a le plaisir d'accueillir les métropolitains de Nice qu'on applaudit bien fort, mesdames et messieurs.
dérapage en vitesse cette première journée du championnat national. Et on va faire permission pour l'équipe de la Garde en bas, c'est bon. Ah, et ensuite, après là, c'est une super saison pour la vivre. On va rentrer dans le gymnase de la saison pour représenter la saison supporter. Et dans quel instant, et maintenant, la représentation de l'équipe, et alors, IGC avec l'équipe des Métropolitains. Et on a le numéro 4, Yassine Pérez. Le numéro 5, Yann. Arthur Malard. Le numéro 6, Nicolas Mendes Seul. Le numéro 7, Tristan Simple. Le numéro 8, Marc Le Neuf, Carl Allais. Le numéro 10, Aurélien Carré. Le numéro 11, Luc Sadou. Le numéro 11, Étienne Sibessin. Et le numéro 14, Lisa Loup de Zéna. Le numéro 11, par Sébastien Adrien de Pascal et également Jérôme Adrien. Vous pouvez vous mettre pour le numéro 10. Et la mise à vous de chambre dans la place à la jeu. Et c'est parti, allez, on va voir le go! On va essayer de détailler, on va voir le détail, allez, ça! Et ce chichic, un autre contexte, le but! Thank you.
Bonsoir à tous. Salut à tous! Salut à tous et bienvenue pour ce troisième match du championnat pré-national. Aujourd'hui, Aubin Garland Basket reçoit dans son chambre du bras d'or l'équipe des GSM métropolitains de Nice. Voilà, je suis avec mon compagnon Gilles. Comment ça va, mon Gilles ? Très bien, Laurent, impeccable. Écoute, on est là pour passer un bon moment. Il y a du monde au bras d'or et puis on espère enchaîner une troisième victoire consécutive. Comme d'habitude, effectivement, ça se remplit de plus en plus. Allez, l'entre-deux et le tip-off, c'est parti. Pas de changement dans le 5 de départ, toujours le même que la semaine dernière. Avec Adrien à la main, en poste 2, on a Yacine. Poste 3, Nicolas. Poste 4, Vincent. Et Jonathan Elketani dans la raquette, en poste 5. Ouais, un petit problème de chrono, on fait dérouler 5-6 secondes et on va reprendre le jeu. Alors on joue l'équipe de Nice qui pour l'instant n'a pas encore gagné sur les deux premières rencontres. Mais c'est une équipe vaillante, très dure à jouer. Le classement ne reflète pas du tout leur niveau de jeu. Petite incompréhension sur le premier coup de sifflet. Ouais, il siffle 3 secondes en attaque. Surprenant. Ah, il sifflé 24. Il a sifflé 24, ah, ouais. Il y a un problème de chrono. Première faute pour Aubagne. Nice a bien fait bouger la balle, il profite d'un pick roll et il serve le roll. Avec un peu de chance, mais ça rentre. Alors normalement, quand ça fait ça, il paraîtrait. Le deuxième, c'est switch. Eh ben non, heureusement. Il y a beaucoup de place en défense. Il y a une grosse densité là. Il y a très peu d'espace. Ça va être dur de s'approcher de la cible aujourd'hui. On est très loin du porteur de balle là. Eh oui, ils ont de la liberté. Shoot facile. On n'y est pas en défense. Même les démarquages sont difficiles. Ça défend dur. Ça défend overplay. On doit jouer le backdoor là peut-être. Attention nos supporters U13. Surtout mademoiselle, les U13 féminines. On les applaudit bien fort, mesdames, messieurs. Les U13 qui ont fait le lever rideau. Sur la perte de balle, c'est que Nice est sur les lignes de passe.
Et Yacine a voulu sanctionner par un backdoor, mais il y a eu incompréhension avec Adrien à la main. Il a un très beau jump shoot. Il a 2 sur 2 à mi-distance. Ok. Et c'est rendu par Yacine. Petit shoot dans le corner. 5-2. Il enroule, il a raison Yacine. Allez, premier tir tenté par Aubagne et ça fait ficelle. Sur les deux premières possessions, on filme 3 secondes et on perd la balle. Faut prendre un peu plus soin du ballon là. En attaque et être un peu plus fort, en... fort physiquement en défense là. Ah, ça passe dessous. On est encore loin. On tient pas le drive, ça aide pas bien derrière et voilà. Je crois qu'on a un client avec le numéro 4. Il est déjà à 6 points en moins de 2 minutes. Deux tirs à mi-distance, un drive, un noir avec la faute. Alors est-ce qu'il va faire tourner parce qu'il a deux fautes, Adrien, très tôt. Très tôt dans le match. Ça hésite un peu sur le banc. Alors la faute, elle n'a pas encore été attribuée apparemment. À Yacine, numéro 9. Enfin. Voilà, bon tir. Fais les sortir, c'est ça. C'est un petit peu court. Un petit peu court, mais il a raison. On a du mal à mettre la balle dans la raquette. Peut-être en étant un petit peu à droite, à 3 points, on va les faire sortir. Et on, les drives seront ouverts derrière. Donc là, l'arbitre est retourné à la table parce que la faute d'avant n'a pas été attribuée. J'ai bien peur qu'elle tombe, mais oui, c'est pour, voilà, c'est ça. Pour le numéro 6, Adrien. Deux fautes. Je pense qu'ils vont devoir faire une rotation là. Ce serait risqué de laisser sur le terrain. Oh, le retour en zone. Ok, bonne défense. Nicolas, il a bien défendu voilà, déjà la semaine dernière. Duel, exactement. Parfait. Lecture, ouvert à l'opposé. Oh, bien joué. La puissance sur les appuis et le toucher sur la finition. C'est vrai. Belle main gauche. Je verrais bien Nicolas, moi, sur le 4. Ouais. Parce que là, dans la percussion, hop, hop, il nous fait très mal ce garçon. Aïe. On prend pas l'air bon, c'est sanctionné. Et ouais. 10-4. On encaisse trop là. 10 points en 2-40, c'est énorme. Ça vient doubler, il y a un shooter en tête de raquette tout seul, et oui. Voilà, extra passe. Bien, là, fallait le prendre celui-là. On refuse des tirs. Ok. Très bien Vincent, dans son jardin. Allez, on est dans le dur, il va falloir défendre un peu plus que ça. Encore Nicolas sur une LED. Allez, on pousse un peu la balle les gars, voilà un peu de jeu rapide, pourquoi pas. Aïe. Dommage pour la finition. Dans l'idée, l'agressivité c'est bien. Alors lui, il doute rien le 4 là. Il joue beaucoup de ballons. Hein. Ouais. Mais on est triste aussi de live. Allez! Alors on a Roland Peretti qui veut dire bonjour. Bonjour Roland! Oui, et Vincent, 3 points dans le corner! Allez, 3 points, parfait, on revient à 1 point. Il est réveillé! 19! On est à moins 1. Allez, on monte les balles plus rapidement les garçons. On joue dessous direct avant que l'aide arrive. Oui, regarde Vincent, il est open. Bien joué. Ça, ça va tomber dedans ça. Dommage. En tête de raquette, deux fois, il était un peu court là. Deux fois, mais c'est des bons tirs. C'est un très bon tir, bien trouvé. Ils ont tendance à doubler tout de suite, pense que bas. Ouais. On a des shooters à l'opposé tout seul. Alors lui, il va jouer encore. Okay, bon, il aime le ballon, oh, le brise. Ah oui, on est d'accord, il aurait pu avoir marché là. Ah, bien joué, belle passe. Défense derrière, allez.
très bon step out de Vincent qui oblige le porteur de balle à arrêter le dribble. On est en prise à deux, ils s'en sortent bien derrière, mais ils ont une tir difficile. On est bien. Messieurs, faites du bruit, vous êtes en direct sur notre live YouTube. On est bien vertical derrière, c'est pas mal. Allez. Mais la mise en place est bonne, bien amenée. Parfait. Eh oui. Il avait. Qui aime ce système agile? Ah, je l'adore. C'est tellement efficace. C'est tellement efficace. Si tout le monde le fait dans le bon timing, la passe d'Adrien est très bonne. Du coup, Jo récupère la balle sous la raquette. Il est inarrêtable. Il commence aussi fort la semaine dernière. Vous l'avez mis 9 points au premier carton. Tout à fait. Et déjà une rotation chez les Métropolitains. On a bien réagi là. Ils mettent un peu de verticalité sur le terrain, peut-être pour venir sur les aides. Ouais. Gêner un peu plus Jonathan. On l'a vu à l'échauffement, il a du jump. Il a du jump. Le 14 de Nice, il va très très haut. Bonifié. Bien joué, Jonathan. 5 points déjà. On est mieux là, on est mieux. Là, le 10, il n'est pas très en cadre. Vous pouvez lui mettre plus de pression là. Allez, vitesse, vitesse! Oui, le bon. Ah, elle est un peu dure, elle est un peu dure ouais. Celle-là, c'était risqué. Ouais, on était arrêté. Oh, que maladresse. Ça fait 3 double pas qui ratent en face, heureusement pour nous. Hein. Et lui, il redrive encore. Raté, rebond. Allez, rebond, c'est parti. C'est dommage que tous les rebonds n'arrivent pas à avancer plus vite. On est très lent sur le jeu rapide. Allez, à Grèce, très bien ça, Yacine. On va en profiter pour remercier nos partenaires institutionnels, que sont la mairie, service des sports, représenté par Pascal Agostini, l'office municipal des sports, représenté par Jean-Jacques Lebos, et le département de la région. Mesdames, messieurs, est-ce que vous êtes au moins plus de la France? Vous êtes là, vous êtes tous les deux, vous êtes tous les deux, vous êtes tous les deux, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Et on a le temps, 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 le temps. Allez, remise en jeu Aubagne. Toujours pas de changement du côté d'Aubagne. Vincent en prend, c'est toujours court. Je m'inquiète pas pour lui, il va savoir corriger le tir. Oh le repli, oh là 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 là. Je sais pas ce qu'il va faire là tout seul. Je crois que la main gauche se passe au point fort. Bonne contre-attaque, hein, nous aussi. C'est un déchet des deux côtés de double pas raté. Beaucoup de déchets là. Allez, défense, on défend pas assez là les gars, on est pas assez dur sur le porteur de balle. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, ils se baladent. Bah lui ça va mieux main droite, 2 points du numéro 14. Ah, qu'est-ce qu'ils vont donner? Faute offensive. Alors lui a mis un coup de coude, pas volontaire, mais effectivement il a touché au visage. Alors Jonathan va être averti par l'arbitre. Je verrais bien une petite rotation peut-être pour Adrien. Parce que là avec ses deux fautes, il a reculé d'un mètre et on met plus la pression sur le porteur de balle. Il prend pas de risque sur les Il prend pas de risque, il a peur de faire la troisième et
Ouais, on n'a pas de rythme en défense. Ouais, ça va être Yacine, à mon avis. Les jeunes, nos petits bénévoles pour la Serbie, hein, s'il vous plaît. Allez, vous avez le balai devant vous. Les gars, les U15, let's go. Allez, 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 allez. S'il vous plaît, les amis. Et on applaudit Lucas, notre jeune U15, on applaudit. Lucas, t'inquiète pas, la boisson, elle est pour toi, Lucas. Merci Lucas, merci mon petit. Et encore merci à tous nos bénévoles qui permettent une organisation exceptionnelle ce soir. On remercie encore nos partenaires privés que sont Omnium, représentés par Hervé Abri, le directeur général. Également KSP, Kinésport Performance à la Pelle-sur-Yvonne, qui sont des partenaires du club, qui soignent des plus petits jusqu'aux seniors, avec l'excellent Hugo. Coaching Attitude, également. Et le patio d'Emmanuel, représenté par notre ami Julien Salessi, ancien très grand joueur. Voilà, on ne pouvait rien faire sans eux parce qu'ils sont très très présents et ils s'impliquent énormément pour le club. Ouais, ils s'impliquent financièrement, mais aussi ils sont vachement présents avec Camille qui nous a fait toute la prépa, la salle de sport qui est ouverte à tous les U20 et tous les seniors. Et c'est vrai que le jeu tarde à reprendre. Allez, 12-12, 3-14 à jouer dans le premier quart-temps. Et on défend en haut avec Paul qui est rentré à la place d'Adrien. Voilà, c'est ce que. Voilà, et là tout de suite il agresse tout terrain. Exact. Je pense que ça va être mieux en défense. Ça va être mieux en défense là. On voit que tout le monde est sur les lignes de passe. Voilà. On sort fort sur les pics. Parfait. Voilà, c'est très bravo bien. Erwan. Et une balle gagnée d'entrée. Les deux ont fait la dip d'entrée là sur la première défense. Bien joué, ils sont Paul. Beaucoup plus haut. Bien Laurent aussi le coaching là, c'est bien. Alors, il y a du mouvement, il y a trois joueurs arrêtés, voilà, allez on bouge les gars. Encore. Voilà, on le connaît celui-là. C'est dommage, attention de ne pas faire une deuxième faute, Jonathan. Ça va vite de l'autre côté, ça va très vite. Il est très grand ce 13 et il va très vite. Allez, vas-y, vas-y. Allez, Erwan, finis ça, avec la faute, Erwan. Bravo. Bonne course, première contre-attaque. Ça prouve qu'il y a la place parce qu'en plus, cette contre-attaque, on l'a fait après un panier encaissé. Exactement. Donc, le temps de faire la mise en jeu, on pousse. Donc, on peut le faire sur nos stops défensifs là. Ils ont au moins le temps à se mettre en place. Erwan a fait une très très bonne rentrée là. Il a été décisif sur la première action défensive où il récupère un ballon et là il est présent un petit peu à la carotte là. Mais c'est très bien. Ça oblige l'adversaire à effectuer un gros repli défensif. Entre en jeu ainsi que Ryan. Tous les deux ils ont fait un très gros match là. Tout à fait. Ryan surprenant à la main où il a très peu perdu de ballon. Il a été décisif sur les drives. Et Melvin qui fout un chantier pas possible sous la raquette. Le même profil que Jo. Ouais. Deux pivots très au sol, qui prennent la place et qui prennent beaucoup de rebonds. Là, la question qu'on peut se poser, c'est qui va mener le jeu. Est-ce que c'est Paul ou Ryan? Je pense plus pour Ryan. Allez, ils ont laissé en route. Allez, rebond les gars. C'est long. Aïe, aïe, aïe. Ah, on a senti venir ce rebond là. Dommage. On leur redonne une possession. Bien. Bonne défense, très bien ça. Très bien. Bonne défense les jeunes, c'est bien ça, allez. Ryan. Oh, passe de Vincent, magnifique. Erwan, t'as pas le droit de rater ça, mon garçon. Elle était magnifique cette passe. Pour l'instant, en termes de réussite au tir, c'est pas l'équipe la meilleure qui défend, c'est la moins pire. Beaucoup de déchets près du cercle.
Allez. Oui, le backdoor. Bien joué, joué ça. On en a moins un. Parfait. Aïe. C'est un peu. C'est un dommage. Peu. Dommage. Allez, allez, repire. Aïe. Jouez vite. J'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup plus athlétique et c'est eux qui jouent vite. Allez, faute. Quatrième faute d'équipe. La prochaine se shoot. On a un peu manqué d'agressivité quand même. On se retrouve que dans le bonus à 53 secondes de la fin du premier quart-temps. Il faut être peut-être un peu plus agressif, balle en main. C'est ce qu'on avait bien fait la semaine dernière. Je me rappelle sur la fin de match, où, à la cinquième minute de jeu, on tirait des lancers déjà. Donc, Ryan a repris la main. Il fait bouger la balle. Ok. Toujours à l'avant du cercle, c'est encore court. Ouh là là, ouf. Il n'avait pas vu, il y avait une passe déjà à réaliser. Bien. Oh, le contre, magnifique! Il était magnifique ce contre. Alors moi, je vais vous dire une chose. Je pense que les arbitres qui sifflent des contres comme ça en haute altitude alors qu'il n'y a rien du tout, c'est quand ils étaient prenaient les mêmes. C'est des frustrés. Ah, mais ça, je ne supporte pas. C'était un acte super spectaculaire. Ah, on passe en live devant Jules, c'est ça? Eh non, je crois pas. Ah oui, ça y est. Ah. Allez, de la réussite. Plus 5 pour Nice, 34 secondes. Un petit écart, plus 5. Est-ce qu'on va jouer le 2 pour 1? Non, peut-être pas. Eh oui. Bien joué. Aïe, aïe, c'est dommage. On aurait joué, c'est dommage. On aurait une dernière. On aurait une dernière position. Allez. Notre co-capitaine. La semaine dernière, déjà, Ryan et Melvin se trouvaient bien sur les pics. Dans la possession de Nice. Allez, premier réussi. Est-ce qu'on serait pas à 100% dans ces francs-là? Je suis pas sûr qu'on en a raté un. Ouais, c'est vrai. C'est à l'opposé de la semaine dernière. Ouais. Eh ben, ils ont bien travaillé cette semaine à l'entraînement. Ah, parce que la semaine dernière, on était à peine à 50%, au-dessus de 50%. Allez, 1 sur 2. Oui, bambou, 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 la bambou, pointe, elle est qualifiée voilà, pour y aller. Bien, Ryan. Allez, 24 secondes. Allez, va chercher une faute, va chercher une faute. Très bien, Ryan. Bon, un petit, un je peu tôt. Je qu'il dribble pour aller vers l'avant que sur place. Allez, un stop. Allez, encore, 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 les gars, ils sont en difficulté, surtout pas de faute, surtout pas de faute. 2, 1, il va lancer. Ouais, bravo, ah, bravo. Il va refuser. Ce panier sera refusé. Mais l'arbitre a sifflé une faute. Non. Eh oui, il a sifflé une faute sur Melvin, il me semble, dans le dribble. Par contre, il va falloir qu'il redonne du temps au chrono là. Parce que cette faute, elle a eu lieu au moins une seconde et demie, deux secondes avant la fin du carton. Ouais, c'est vraiment dommage, on avait super bien géré les 30 dernières secondes. Avec un shoot, une faute provoquée, un surdo lancé, on récupère le rebond off. Ouais. On marque derrière et c'est dommage de ne pas faire un stop. Là. C'est qu'avec le bruit qu'il y a dans la salle, on n'a pas entendu le coup de sifflet, mais Julien a levé le poing pour signaler la faute. Je pense qu'il restait quasiment 2 secondes à jouer. Mais elle fait mal cette faute là au buzzer quasiment. On avait bien défendu. Parce qu'il y a eu un mismatch et Melvin s'est retrouvé face à un petit qui a drivé. Ah, alors là, l'arbitre qui donne que 6 dixièmes, par contre, moi j'aurais plus vu 2 secondes. Ouais, 6 dixièmes. Tant qu'à faire, tu laisses tirer, tu remets rien si c'est pour mettre 6 dixièmes. Quoi. Oui, d'accord. Je vois pas l'intérêt du tout là. Voilà, allez. Ils sont vraiment en échec au lancer franc. C'est vraiment très très long. Alors il faudrait pas qu'on prenne une claquette là sur le rebond. Parce que tout à l'heure on l'a pas pris ce rebond. Ça finit par rentrer. Alors on a le temps de shooter, on a le temps. Qu'est-ce qui se passe?
mais en même temps, il y a eu une fin de passe sur la touche. Donc le chronométrage s'est fait feinter là. Normalement, il doit rejouer l'action là. Alors je comprends pas parce que là, en fait, normalement, la balle n'a pas été mise en jeu. On doit la jouer cette touche. Alors, ok, le minimum de temps pour prendre un tir, c'est 3 dixièmes. Allez, grosse pression de Paul à la main. Allez, on y est, faut plonger sur ces balles, les gars. Allez, c'est parti, jeu rapide. Finis ça, Paul, t'es très haut. C'est très dangereux de te jeter sous les jambes comme ça. Je comprends pas qu'on donne pas la faute encore une fois sur cette action. Allez, à noter qu'on n'a pas les d'animation aujourd'hui parce que nos cheerleaders s'entraînent, elles font un stage là, pour le championnat du monde à Orlando en avril 2013. Elles sont parties en stage, donc elles ne sont pas là ce soir. Et je ne sais pas si vous avez vu le match la semaine dernière, mais on avait vraiment des animations de très haut niveau. Et elles seront là bientôt. Allez, c'est parti, encore un stop, c'est bien les gars. Il ne faut pas oublier non plus que... C'est bien marqué en deux paniers ce jeu rapide. Allez, trailer, il y a l'école de cheerleader, hein, voilà. Le matin, Laurent. Hein. L'école de cheerleader, c'est ouvert à tout le monde, c'est mixte. C'est le samedi matin de 10h à midi. Très bon drive de Paul. Allez, rebond, parti, courez, allez. Ça vient à deux, ça, prise à deux. Lecture, Vincent. Parfait, open. Allez, agresse. Allez, Melvin, au rebond, très grosse présence avec la faute. Très bon boulot. Très bon boulot de Melvin. Allez, on va voir l'entrée d'Alexis Data. Qui était souffrant la semaine dernière, il n'a pas pu jouer. Ouais, il était malade, mais... Il n'avait pas joué le premier match non plus, donc je suis très content de le revoir aujourd'hui. Ouais, il va avoir un beau rôle cette année, là. J'en suis sûr. Je pense que ce sera pour Erwan. Moi, je vois bien Vincent, non? Ah non, Erwan. Non, en tout cas, ça me fait plaisir, là, on revoit le trio des 3 U20 de la saison dernière, là. Ouais, oh, mais Alexis encore U20, il joue demain avec moi. Avant Alexis encore U20. Ouais. Et ils ont tenu la baraque quand même 3, ces garçons, la semaine de l'année dernière. Là. Ouais. C'est un plaisir de les voir ensemble sur le terrain. On était bien. Super Melvin, allez, encore un lancer. Égalité.
21 partout. Allez, à nous d'essayer d'avoir un peu de présence en bon off aussi là. Parfait. C'est grâce à ça qu'on a marqué sur cette action. Plus un, ça faisait un moment qu'on n'était pas devant. On est très bien en défense, on a changé les attitudes. C'est plus aussi facile pour eux. Un bon renversement de l'autre côté. C'est un beau tir, mais toujours pas réussi. Ne pas faire de boxe. Ils sont vraiment bons près du cercle pour l'instant. Un oubli défensif. C'est pas normal ça. On peut pas tourner le dos à son joueur à l'opposé comme ça. Allez, drive le sanctionne, il est trop près là. Allez, fadeaway, pourquoi pas un petit fadeaway. Ok, bonne défense. Super stop défensif. On regagne une balle. On gagne une balle, Alexis arrête bien la balle et après derrière on tient bien le duel. Et Melvin vient bien en aide sur le drive, Vincent défend bien, allez on est pas mal là. Allez, un double changement des deux côtés. Ryan sort pour Adrien. Et Vincent aussi. Et Vincent est sorti à la place de Nicolas. C'est reparti. Alors, qui va jouer poste 4, Nicolas ou Alexis? Allez, la position, il faut la prendre. Bon drive. Quoi? Ah, c'est un peu court. Il manquait un petit peu de vitesse là-dessus. Allez, mort, je sais pas long, les gars. On n'y est pas là. On n'y est pas là. On subit leur agressivité offensive. Mesdames, Messieurs, Tazem et les supporters, vous savez qu'on est en direct sur notre chaîne YouTube. Et au prochain tournoi, cadeau exceptionnel, deux t-shirts à gagner pour la Kiss Cam. La Kiss Cam, en cas de couple qui osera s'embrasser devant la caméra en direct, gagnera deux t-shirts. Allez, pousse, Nico. Pas mal. Ils sont tous dans la raquette. Ouais, on est d'accord. Bien. Ressort. Oula, limite du marché, Alexis. T'aurais peut-être pu y aller. Faut pas hésiter, là, on manque d'agressivité. Là, ça passera jamais, ils sont 5 dans la raquette. Il y a un peu de nervosité, là. Les joueurs commencent un petit peu à s'engueuler entre eux, j'aime pas ça, moi. Yacine rentre à la place de Paul. Il faut essayer d'être large là sur une défense compacte comme ça. Les arrières, n'hésitez pas à reculer un petit peu, à les faire sortir et puis il faut tirer. Hein. Faut pas refuser les tirs. Ne pas toujours rentrer dans la raquette des drives. Après une extra passe, il faut sanctionner à 3 points, même si on rate, c'est un bon tir. Alternance, jeu intérieur, jeu extérieur. Est-ce qu'il y a des couples dans la salle pour la Kiss Cam? Ah, le t-shirt à gagner. Et est-ce qu'il y a des couples qui veulent se former? C'est le moment d'aller pêcher autour aussi? Ah non, d'accord. On sait jamais. Hein. Deux t-shirts AGB à gagner au prochain temps mort. Mais on n'y est pas encore. Et on est encore allé au score, mesdames, messieurs. Alors il faut pousser pour l'AGB. On ne peut pas les laisser comme ça ce soir. On est à domicile, c'est le chaudron. Bon Gilles, tu me fais un petit bisou pour la Kiss Cam. On profite également pour remercier notre sponsor principal, le groupe Omnium. Votre spécialiste en étanchéité. Le groupe Omnium, c'est 20 ans d'expertise dans l'étanchéité du bâtiment.
grand business que business. Il y a les fans du groupe Omnium dans la tribune, magnifique. Et ça fait déjà 4 ans qu'ils nous suivent. Et grâce à leur mécénat exceptionnel, nous avons la possibilité, par exemple, de renouveler toutes les tenues de l'AGB. Vous l'avez vu, on a un nouveau logo, on a également de nouvelles tenues. Et cette année, c'est toutes les catégories de l'école de basket jusqu'à nos seniors qui ont la même. Et on en profite également pour remercier nos bénévoles, surtout ceux à la table de marque qui font un boulot qui n'est pas facile. Alors on les applaudit à la table de marque, s'il vous plaît. Tous les trois bénévoles, c'est les papas. Et oui, oui, les bébés, la boutique, ils sont chauds. Caramel, bonbons, chocolat, tout ce qu'il faut pour votre petite là-dedans. Et on a gagné une super boutique de casquettes et t-shirts. Bracelets, contre-coups, survêtements, tout ce que vous voulez pour être au niveau de la GD. Et nos magnifiques bénévoles, on a la gentillesse de prendre un carton pour faire. Pas de soucis. 10 000 €. Petit problème technique à la table de marque. Bon, et on applaudit également. En tout cas, bon, si vous voulez les applaudir, il n'y a pas de souci, vous pouvez, mais ils sont tellement exceptionnels qu'ils vont finir sur Bein Sport. J'ai peur que trop de popularité va faire que nos deux commentateurs TV, Laurent et Gilles, nous fassent défaut au cours de l'année. On les applaudit. Vous pourrez revoir l'intégralité du match sur notre chaîne YouTube. Ils sont magnifiques tous les deux. Et vous aurez également dans la semaine de magnifiques clichés photos. On applaudit également Clara, notre jeune photographe qui est là à tous les matchs. Clara, mon voisin, on l'applaudit. Oh là, oh là, oh là. Bravo, ma chérie. Bravo. Allez, le jeu va en faire reprendre. Allez, c'est reparti. Let's go. 6-33 à jouer. Let's go. Let's go, Romain. Let's go. Remise en jeu au bagne, sous le panier. Allez, un tir facile ouvert. Aïe, 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 on n'aimait pas. Bravo. Allez, Alex. Il va falloir qu'on trouve de l'adresse extérieure parce qu'ils sont vraiment tous dans la raquette. Il y a en permanence trois joueurs de Nice dans la raquette. Ouais, ouais, de toute façon, ça va passer par de l'adresse extérieure. C'est déjà mieux. Allez. On est arrêté là, on est arrêté. Oui. Allez Alex, mets-moi ça. Très bon rebond du 4, il a des jambes. Un retour de Jonathan. Est-ce que c'est pour Melvin? Ouais, effectivement, c'est Melvin qui sort. Si on pouvait resservir un peu Jonathan dessous là. On a besoin de varier un petit peu le jeu. Et ça permettra de sortir des balles sur nos shooters. Bravo! Oh. Ouais, Alexis, dommage. Très beau contre du 13. C'est vraiment pas une équipe facile à jouer. Allez. Oh, attendez ça, eh oui. Bonne course. Ça me plaît de voir de la contre-attaque et du jeu rapide. On l'utilise pas assez, ça. Il y a un peu de déchets, mais... Je pense que c'est bon compromis, il faut les attaquer avant qu'ils se mettent en place là, parce qu'ils défendent tous dans la raquette, il n'y a pas d'espace, donc le jeu de transition, le jeu de contre-attaque. Il a vu Maxime. Aïe. Encore le 4 qui marque.
J'ai même stoppé quand elle m'a coupé du ballon, ce garçon. Il nous pose trop de problèmes. En plus, il a zéro faute, on n'impacte même pas en défense. Ils sont tous dans la raquette. Le 14, il défend même pas sur Jonathan. Le 14, il fait gardien de panier. Il défend même pas sur Jonathan. Libéraux. Après, peut-être que jouer small ball, ça serait pas mal, hein, l'écarté. Faire entrer Vincent pour l'écarté. Vincent 5. Vincent 5. Allez, mets la pression, allez. Voilà, le meneur, il est tranquille, il n'y a pas de pression sur lui. Il n'y a pas de pression. On n'a aucune pression défensive. Ah, ils sont dans le confort absolu, là. Courez, allez! On a besoin de jouer rapide là! On a un gros problème d'adresse! On ne met pas la chute extérieure! Après, c'est notre défense! C'est parti, parti! C'est vraiment notre défense qui nous tient, hein, parce que on a très très peu marqué dans ce deuxième carton. Par contre, on n'en casse pas! Allez, regarde Alex! Regarde Alex! Il est open, c'est petit. Ah, la solution à la proposer, évidemment. Ils sont trois sur lui, là. Il y avait Alexis et Yacine au open, là, à l'opposé. Allez, il faut être un peu plus juste, je trouve, dans la lecture, là. Open. Open. Allez. Allez, faites bouger la balle. Okay. Allez, c'est bien, bonne accessibilité. Super Yacine. Adrien, il défend un peu plus, là c'est mieux. Voilà, coupe-le de la balle, super. Là, on met la pression. Ferme, aide. Ok. On les a forcés à driver. Eh ben voilà. En fait, leur réponse à la pression défensive, c'est du drive. Bien sûr. Parce qu'ils n'arrivent pas à conserver le ballon face à la pression, donc ils attaquent le panier. Si c'est ce qu'il faut faire, il y a de l'aide derrière, il y a de la taille et voilà, n'arrête pas. Exactement. Le processus a duré même pas 10 secondes. Allez, tendons, on attend, on pousse, mesdames, messieurs, c'est là où ils sont sensibles, on les pousse. Oh, bang. Oh, bang. Oh, bang. Oh, bang. Oh, bang. Ah, ça on l'aime cette situation. Aïe, 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 il cherche trop cette passe dessous. Tire, Joe. Il va opposer cette balle. Exactement. Ouvert. Allez, finis ça. Allez, la faute là, l'arbitre. Oh, c'est pas possible de pas siffler une faute pareille, je comprends pas moi. Qu'est-ce qu'il y a comme maladresse près du cercle? Le 4 adverse parle énormément. Il parle beaucoup trop ce numéro 4 là. Ça fait plusieurs fois. Messieurs, on applaudit Alexis Nata. Au public, aux joueurs. Armé au club. Et la rentrée de Vincent Bonatti, notre capitaine. Allez, Alexis qui a été présent en défense. Bon, il a raté un box out là, je me rappelle, qui. Que son adversaire prend un rebond. Mais par contre. Extrêmement défensif, mesdames, messieurs, ça va se jouer à rien. Un peu de maladresse. Le coach a bien réagi en face, il sort sur le numéro 4. Il a vu qu'il était borderline, il a deux doigts de péter un câble. Je pense que c'est une mèche courte, le garçon. Allez, Vincent. Allez, plus long. Et c'est bon, voilà. Ah, ça va être la clé. Si on est à droit à l'extérieur. Il a relevé toute la salle. Si on est à droit à l'extérieur, on va avoir des drives. Qu'est-ce qu'il siffle ? Marcher, oui, allez. Et c'est pour nous. Let's go, home, bye, let's go. Let's go, home, bye, let's go. Ah,
Alors moi je veux bien qu'on remette la balle en bas et qu'on la ressorte encore sur Vincent, parce que quand il est chaud, il va remettre dedans. Non. À qui est cette balle ? Elle est pour eux. Dommage, bonne présence Nicolas au rebond. Bandef, allez, rebond les gars. Allez, Vitesse. Marché. Aïe. Trop de perte de balles. Allez, Adrien, c'est pas grave, mon petit. On se replace en défense. Okay. 1 minute 44. Defense. Il a changé son petit pivot à la défense. Defense. Allez, Nicolas, Bandef, reste face à lui. Oh, il est gêné, là. Là, il est pas dans le confort. Et il va driver parce qu'il voilà. Ah, derrière, on ne suit pas. Incroyable. Quelle maladresse. Ils ont raté au moins 5 paniers tout faits, là. Je vais essayer. Bien joué. Oh, pas offensive, là, au rebond. Après, dommage que la passe, elle est un peu dans ses pieds parce que... Comme on dit, bonne passe, bon shoot, elle est arrivée dans ses pieds, cette balle. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que l'arbitre, depuis que j'ai vu, il est un peu à côté. Il y a beaucoup de choses qu'il ne voit pas. Sur le rebond d'avant, il y a une énorme faute. Allez, mettez la balle en bas et ressortez là. On arrive en fin de carton, ce n'est que la deuxième faute. Deux fautes à une. Pourtant, ça ne manque pas d'agressivité des deux côtés. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'oubli des arbitres sur les fautes. Là. 29-27, si vous pouvez rester à droit lancé, ce serait pas mal. C'est court. Allez, on peut applaudir, mesdames, messieurs, on applaudit, on encourage. Allez, Nico, mon petit. Ah, pareil, est encore court. C'est dommage. Allez, mets la pression, mets la pression, mets la pression. Force-les à driver, force-les à aller au cercle là. Ouais, il faut qu'on soit plus haut, on n'a pas de faute collective, il reste 40 secondes, là. Essayez d'être plus haut, on a des fautes à donner là. Voilà, encore, allez, encore. Allez, faites les jouer. Allez, plus haut, plus haut. Assurer le rebond. Ok, allez, dernière possession. Allez, 25 secondes. 25 secondes normalement. 25 secondes, mesdames, messieurs. On tirera au bout de 20 secondes. Oh, Oh, bad. Allez, il va falloir déclencher. Allez, 11, 10, c'est parti. L'arbitre a annoncé 8. Oh là là. Ah, c'est pas vrai, il perd encore une balle. On leur donne une contre-attaque avec Edel. Oh, et on peut la première marche numéro 13 de Nice. Ah.
Ouais, alors par contre, regarde, écoute, moi je vais lire un papier, faut pas qu'on voit que je lise. Faut pas qu'on voit mon papier. À la rigueur ? Là, on voit pas que je lise. Et quand il parle, tu vas sur lui, comme ça moi je lis la question d'après. Comme ça, je suis pas comme ça dans le. De toute façon, c'est pas lui, lui il reste comme ça en fait, c'est lui qui gère derrière. Mais bon, on s'en fout, t'inquiète pas. Allez, on est bien. Je vous dis quand on est en direct. C'est bon ? Super. Il va nous dire, attends. C'est bon, ça va ? Ça va, salut Julien, donc notre président adoré. On profite de cette mi-temps pour faire une interview pour ce 3 Kions sur ce but de son. Julien, après journée de championnat, comment tu le professionnel ? Exige-t-il en base avec un top club projet que tu as en place avec ton. Bah écoute, l'effectif est. Ah déjà, je vais commencer à base. Effectivement, l'effectif est en phase avec notre projet puisqu'on a décidé de renouveler l'effectif à hauteur d'à peu près 4% par rapport à l'année dernière. Et sur le critère de recrutement, c'est de voir aller chez des joueurs qui ont l'âme associative et qui sont prêts à les donner pour faire profiter en fait tous les bénévoles qui se déroulent. Donc on attend effectivement, on a c'est un objectif qui vit très bien, on a une belle préparation physique depuis mi-août avec notre partenaire en préparation athlétique. Et également on a la chance un parade qui boxe et qui leur a permis d'avoir un peu de la compatibilité, esprit d'équipe, etc. Et donc voilà, notre effectif est cohérent, correspond à ce qu'on voulait, donc tant mieux. Maintenant, est-ce que l'effectif délivre pour le moins par rapport aux attentes? On reste encore un petit peu dans notre fin, mais c'est aussi un programme, c'est-à-dire qu'on termine la à peine de jour, également dans leur course. Mal collé sous moins 8 par rapport à ce qu'on voit. Même, on commence à entrer en séparation, voilà, qu'on a des matchs de soir un petit peu compliqués, mais ça va le prendre, on est vraiment les clous. Ok, je vais revenir sur le match de la semaine dernière. C'est pas victoire avec un sérieux incroyable. Je pense que l'organisation publique pour Chop, parce qu'une remontade moins 17, un match, et j'ai eu beaucoup sur l'événement avec les animations, l'organisation qui était assez incroyable. Donc je voulais savoir quels sont les ingrédients qui ont permis de réussir une telle soirée. Ouais, merci et voilà, je me joins à Laurent et à tous nos bénévoles pour remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages de sympathie après l'organisation de la semaine dernière. Mais je dirais que c'est dans la continuité de ce qu'on fait depuis que le nouveau bureau est en place. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre en place un projet humain avec énormément de bénévoles qui donnent du cœur à l'ouvrage de manière à ce qu'on puisse du bon temps ensemble. On est parti, je ne refais pas les saisons passées parce qu'on est tous passés par là, mais les quelques années de Covid nous ont quand même un petit peu fatigués, créé de la distance. Et l'objectif premier en reprenant l'association du côté de notre bureau, ça a été de remettre l'humain au cœur de notre projet et au cœur de toutes nos attentes. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense qu'on l'a réussi, donc on va continuer dans ce sens-là. Maintenant, on prend pas pour acquis ce qui nous arrive, parce que le bénévolat, on sait que c'est fragile. Donc c'est de démultiplier les ressources et surtout d'aller transmettre et d'éduquer nos jeunes pour qu'ils prennent derrière la relève. Et voilà, et la semaine dernière, on est simplement dans la résultante de ce projet. Et je suis vraiment content et je remercie encore tout le monde. Après, très sincèrement, il suffisait d'être un peu créatif et d'avoir de la bonne volonté. Nous, l'idée, c'est vraiment qu'on fasse plaisir aux enfants, plaisir aux joueurs, plaisir aux familles qui sont en tribune. Et ça s'est ressenti, la salle était pleine. Et on ne compte pas s'arrêter là, on a de beaux spectacles qui vont arriver, les prochains pour nos deux prochains matchs à domicile, avec hors du cheerleading, avec encore, comme vous l'avez vu, des fumigènes, de la musique, de la sono. Voilà, c'est pas terminé, on va continuer à mettre tout ce qu'il faut pour y arriver. Et voilà, je reviens sur ta question, c'est principalement l'humain et l'amour. Voilà, on a envie de se retrouver entre nous, avec les anciens dont tu fais partie, et la mayonnaise prend. Du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis, le fait qu'il y a eu un grand nombre de personnes. La mairie a annoncé qu'il y avait 500 personnes la semaine dernière, et on remarque qu'il y a énormément de licenciés de toutes les catégories du club. On sent que la famille s'agrandit et je voulais savoir à combien s'élève le nombre de licenciés aujourd'hui et à quoi est due cette fulgurante ascension là.
Eh bien écoute, aujourd'hui on est effectivement à 500 personnes annoncées, on était nous-mêmes surpris, mais bon, on va croire notre municipalité sans problème, et qu'on salue en particulier Pascal Agostini, qui nous soutient depuis le début de la reprise du club. Et ouais, en fait, on est aujourd'hui à, de mémoire, 230 et des brouettes, 230 licenciés aujourd'hui, arrêtés au 10 octobre. Donc c'est énorme, ouais. L'année dernière, on a fini à 264. L'idée, encore une fois, pas de compiler les licenciés et de se gargariser parce qu'on a un nombre de licenciés important. L'idée, c'est de pouvoir fournir du contenu qualitatif à nos licenciés. On a une vingtaine d'entraîneurs qui sont quand même... voilà, c'est une de nos grandes réussites. Ça nous permet d'avoir des effectifs importants. On a créé une section U22 parce qu'on a des gamins qui n'ont pas forcément le niveau pour jouer en régional, qui vont jouer en départemental parce qu'ils le méritent, parce que ça fait des années qu'ils sont à l'AGB, on n'a pas voulu les laisser tomber. Quasiment toutes les équipes sont douées, on veut continuer à développer la structure féminine également, mais malheureusement on ne peut pas pousser les murs, mais voilà, on fait de notre mieux. Et avec la création de notre section cheerleading qui commence à bien fonctionner, on espère atteindre les 300 lycées d'ici la fin de l'année, on va battre notre record de l'année dernière. Ok, voilà. Je vais te poser une dernière question parce que le match va bientôt reprendre et tu vas retourner au micro pour l'animation. J'ai suivi depuis 3 semaines les équipes de jeunes du club. Les résultats sont remarquables dans toutes les catégories, qu'on soit en PACA, en département. On gagne les matchs, mais surtout on les gagne contre des entités du basket régional, que ce soit le SMUC, que ce soit Golgoth, soit Venel. C'est des clubs formateurs. Et je voulais savoir si aujourd'hui on peut considérer que l'AGB, c'est une place forte de la formation provençale également. Alors, je dirais déjà que rien n'est acquis. Donc oui, on pourrait peut-être potentiellement dire que l'AGB est une place forte. Ouais. Je veux surtout rester modeste et voilà, faire preuve d'humilité parce que, encore une fois, comme pour les bénévoles, les résultats sportifs qu'on a ne sont pas acquis. Maintenant, par contre, ce qu'on fait depuis un an et demi, en particulier l'équipe, le staff et notre directeur sportif, Pascal Rochette, c'est d'essayer d'uniformiser la manière dont on travaille sur toutes les catégories. Et tu en fais partie également en tant que coordinateur technique. Et l'idée, c'est d'avoir du jeu rapide, de l'agressivité défensive, de faire en sorte d'avoir des transitions en attaque, en défense, qui soient les plus fluides et les plus rapides possibles. Donc on a une identité, une empreinte AGB dans notre coaching. Et ça, on travaille depuis l'année dernière. Donc c'est le fruit d'un travail qu'on met en place, d'une cohérence dans nos enseignements. On a beaucoup de réunions avec les entraîneurs, on envoie tous nos entraîneurs en formation pour ceux qui n'ont pas les diplômes et continuer à le faire. Et surtout, on veut former de jeunes entraîneurs. Donc il y a une cohérence et une pertinence dans la manière dont on enseigne nos catégories. Donc il y a une identité de jeu qui est propre à ce qu'on fait. Et je dirais qu'il y a également un accompagnement, l'accompagnement encore une fois des bénévoles, parce que je crois à la force du collectif. Et on a une synergie bleu et jaune, là, les Yellow Nation, voilà, c'est notre marque de fabrique. Et l'esprit de famille dont tu parlais tout à l'heure, elle se ressent dans les résultats sportifs qu'on a. Donc on a de la constance dans l'enseignement, encore une fois, poussé par nos bénévoles. Et on ne veut pas s'arrêter là, mais encore une fois, il faut faire preuve d'humilité. Parce que d'une année à une autre, on s'est commencé. Voilà, en U11, on a encore un petit trou de génération qu'on va essayer de rectifier grâce à notre école de basket. Mais il faut travailler. Il n'y a pas de secret. Je dis toujours qu'on a 168 heures dans une semaine. Et ce n'est pas avec les 4 petites heures d'entraînement dans la semaine que nos joueurs progresseront. Donc nos joueurs ont compris qu'il faut absolument travailler en dehors de l'entraînement également. Et c'est là où je suis très fier du travail qu'on a fait tous ensemble. C'est qu'on a bossé pour changer la culture de notre association. Première valeur, numéro 1, c'est la valeur travail. La deuxième, c'est l'humilité. Et voilà, donc les résultats sont sortis et on en est fiers. Et encore merci à tous pour ça. Ben merci beaucoup Julien, je vais te laisser retrouver ton micro. Ouais. Moi je vais reprendre. Et venez à la GB. Félicitations hein. Pour tout le travail du fait depuis qu'il est là. Et bravo à vous les gars pour les commentaires, ils sont fabuleux nos commentateurs. On essaie de faire au mieux là. Au bain, c'est l'Amérique les amis. Allez, on reprend dans 3 minutes.